Bonjour à tous et bienvenue sur l'aéroport d'Avignon avec ce Cessna 172. Aujourd'hui, je vous propose qu'on étudie ensemble les approches AirNav. Donc les approches AirNav, les approches GPS, c'est quelque chose qui devient franchement à la mode, on en voit de plus en plus. Et sur les réseaux, notamment EVAO ou VATSIM, je m'aperçois en discutant avec d'autres personnes que pas beaucoup de pilotes s'essayent aux procédures AirNav et systématiquement plutôt tendance à vouloir shooter des ILS. Donc, bon, pour plusieurs raisons, hein. D'une part parce que les avions ne sont pas forcément équipés en fonction de ce qu'ils volent, mais surtout c'est par méconnaissance parce qu'ils ne sont pas forcément briefés sur les types d'approches de mon GPS, la manière dont ça doit se préparer, la manière dont ça doit se voler, alors que finalement c'est quand même assez facile. Donc, le but de ce tuto, ça va être de démystifier un peu les approches GPS et de vous montrer que c'est aussi facile à voler qu'une procédure ILS. Pour ça, on va faire simple, on va partir d'Avignon. On va venir ensuite. Alors attendez, c'est pas ça qu'il faut que je vous montre. On va prendre cette carte-là. Voilà. On est donc ici sur Avignon. On va venir shooter. On va venir ici du côté de Nîmes. On va commencer une approche ici à Istres, sur la base aérienne de Istres, pour effectuer une approche donc AirNav. On va faire une remise de gaz. On va revenir comme ça sur la remise de gaz. On va venir ici. Et on va venir se présenter pour effectuer une deuxième approche AirNav sur Marseille. Donc on va se taper deux approches AirNav et donc une remise de gaz sur Istres, ce qui permettra de voir justement comment on initie une approche interrompue. J'avais fait un tuto il y a je sais plus, quelques semaines sur la manière d'effectuer une approche interrompue et donc une remise de gaz avec l'Airbus A330 de Jardesign. Vous allez voir que là, on va faire la même chose, mais avec un Cessna 172. Ça casse pas trois pattes à un canard. Hein. Vous allez voir que c'est franchement pas compliqué. Il y a juste une gymnastique à garder à l'esprit sur la manière de le faire, mais vous allez voir que c'est franchement très simple. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir d'Avignon. Alors, pourquoi on va les shooter du côté de Nîmes? C'est de manière à avoir un petit peu de temps pour que je phrase un peu des approches AirNav et qu'on puisse enquiller proprement la procédure à Istres. Ensuite, ici, on n'en a plus besoin. La carte. Donc, on part d'Avignon sur la piste 17. On est ici au point d'arrêt. On va décoller ici, donc pratiquement en plein sud. Ensuite, on virera par la droite pour aller gratter du côté de Nîmes. Et on viendra shooter une approche AirNav, donc sur Istres. Donc, vous voyez, hein, ça fera les trajectoires comme ça. On remettra les gaz en finale. On viendra faire l'approche interrompue. On partira comme ça. Et ensuite, on viendra shooter à Marseille. Ici, cette approche-là pour venir sur la piste 13 gauche. Dans l'ordre. Donc, on est à Avignon. Je retiens le cap 168. Ici, c'est parfait. Et on va pouvoir mettre en route notre avion. La batterie, c'est sur ON. Je vérifie le reste. Tout est bouclé partout. Les breakers n'ont pas sauté. Les magnétos sont sur OFF. Voilà, tout est sur OFF. La mixture, c'est sur plein pot. Les volets sont rentrés. Parfait. Ensuite, on va mettre le beacon, on va mettre le feu de nav, la fuel pompe, la mixture sur plein riche, c'est dégagé partout, on démarre. C'est démarré, on vérifie nos paramètres moteur. Bon, ça stabilise, le GT qui monte, c'est normal. Ensuite, l'alternateur, c'est sur ON, la fuel pompe, on la coupe, l'avionique, on la met sur ON, et on va préparer un peu nos affaires. Alors, bon, j'ai plein de choses ici. On va tout virer. Le plan de vol. Ici. Alors, vous voyez, j'ai six boutons ici. J'ai les mêmes ici. Ils font rigoureusement la même chose, hein. Donc, ici, j'ai un petit écran, vous voyez, en appuyant sur plan de vol. Ici, j'en ai un beaucoup plus gros, mais ils font la même chose. Donc, là, je vais utiliser le petit, mais j'aurais pu utiliser l'autre. Donc, là, dès que j'ai mon plan de vol, je fais menu. Je descends, je supprime. Crac, j'ai plus rien. Voilà. Ce que je veux, moi, j'ai dit que j'allais partir du côté de Nîmes. Donc de Nîmes, et bien regardez, là je prends mon écran un peu plus grand. Alors je vais faire ça, je vais revenir sur la page principale. Voilà. Je vais faire ça une fois, deux fois. Et là, ça me donne, vous voyez, les terrains les plus proches de ma position. Et bien là, je vois LFTW qui est ici. Je vais revenir en un cran en arrière. LFTW, moi je suis bien à Avignon, Nîmes est bien ici. Oui, c'est ça que je veux. Je vais faire un direct tout sur ce point-là. C'est bien Nîmes. Et oui, camarade, activé. Oui. Crac. Et maintenant, j'avais rien avant. Là, maintenant, j'ai un direct tout
LFTW, donc Nîmes, avec une distance de 23 nautiques et un cap aux 244 pour y aller. Ça me convient très bien. Ensuite, la vitesse est à 0. Le cap 342, bah non, je vais prendre comme d'habitude le cap de la piste. Et j'ai dit 176. Voilà, 176, c'est bon. La course de 144, c'est celle qui correspond à la direction de Nîmes, c'est très bien. L'altitude, on va monter vers combien? Donc on va shooter notre approche à Istres. L'initial approach fixe est celui-là. C'est entre 6000 et 6000 et 4000. On va donc se mettre à 4000. Ça suffira largement. Voilà, 4000, c'est parfait. Les minima, alors ici le plan de vol, je m'en tamponne. Les minima, ici j'en ai pas besoin pour l'instant. Hop, voilà, c'est sur off. 1013 pour le calage, c'est bon. L'altitude 130, c'est bon également. Le cap de la piste, donc je l'ai mis. Voilà, donc je suis paramétré partout ici. Les moyens radio. Alors, dans la vraie vie, je me mettrai toujours ici un moyen quand même, de manière à pas non plus que faire confiance à mon GPS. Il est très bien mon GPS, mais je peux parfaitement le perdre. Ça dépend d'un signal satellite qui fait que ça marche moins bien. Donc si jamais je perds le signal, je suis content d'avoir un moyen autre, si vous voulez, par exemple, que ce soit un moyen à Nîmes, un moyen à Avignon, un moyen à Marseille, de manière à pouvoir avoir un backup. Bon, aujourd'hui, je ne vais pas le CT, mais dans la vraie vie, finalement, c'est ce que je ferai, quoi. Ensuite, les fréquences radio, bon, je les laisse, j'en ai pas besoin aujourd'hui. Donc, ça m'est un peu égal. Voilà, je suis CT partout. Mon écran est propre, si vous voulez, j'ai rien qui traîne, j'ai que des informations essentielles. Il me reste quand même pour le management du pilote automatique, je vais le mettre en mode heading, donc il me donnera le cap de la piste, le flight director qui est on, et le pitch, donc mon assiette, que j'ai mettre positive. Aux alentours de voilà 7, 5, 8 degrés, ce sera parfait. On est bon, plus qu'à partir. Il me reste, on va faire ça propre, les phares, donc landing lights, taxi lights, les strobes pour engager la piste, la fuel pump pour le décollage. Il me reste à libérer le frein de parking et on débute le roulage. Pour engager la piste, on prend les bons principes, transpondeur, on le met en mode halt, de manière à ce que le contrôleur me voit bien sur son écran. Voilà, oups là. Allez, on va s'aligner. Ce sera un décollage sans volet, la piste est suffisamment longue, je ne suis pas restreint. Il n'y a pas d'obstacle. On est bien aligné sur la piste 17. Voilà, on va faire ça à peu près propre. Allez, crac. Le frein de parc, le cap 162. Alors, on n'est pas du tout au bon cap. Est-ce que c'est moi qui me suis trompé sur le cap d'Avignon? Ah oui, 168, effectivement. Moi, je me suis un peu marché sur le short. Alors, 168... C'est déjà vachement mieux. Bon, maintenant, je suis quand même pas super axé non plus. Il y aurait quelques degrés. Et par contre, je peux vérifier ici, 160, effectivement, 162. Voilà, on vérifie toujours une petite comparaison avec le compas secours, qu'on soit à peu près d'accord. Excellent. Ça me va bien. Là, je vois bien que je suis un petit poil, de toute façon, sur la gauche, pas sur la droite. Vous en êtes aperçu, de toute façon, je suis franchement pas terrible. Tout ce qui concerne le roulage, décollage, atterrissage. Mais bon, c'est pas bien grave. Allez, on est bon. On libère le frein de parc. On va décoller. Vous voyez, on vérifie. Là, je suis à peu près dans l'axe. 168. Allez, pour faire les choses bien. Voilà, je suis là, je serai bien. C'est vérifié partout. Allez, la puissance est appliquée. Vario, le badin est positif. Il n'y a pas de voyant d'alarme. 60 nœuds rotation. Vario positif, le train sur entrée. Non, il ne rentre pas dessus, pardon. Je suis mon flight director. Voilà. Allez, je suis bien. Je vais enclencher mon PA. Crac. Mon PA est enclenché, je suis bien en montée.
Autopilot is on. En heading, c'est parfait. Maintenant, ici, je vois qu'il faudrait que je prenne un cap par la droite pour aller rejoindre ma trajectoire de navigation vers Nîmes. Bien là, ce que je vais le faire en deux temps. Je vais mettre en cap d'abord vers la droite. Voilà, ici, je vais le diriger vers ce qu'il me dit, hein, 244. Et puis, pour l'instant, je vais lui enclencher le mode nav. Hop là, voilà. Donc maintenant, je suis bien passé en mode GPS. Et je monte tranquillou vers 4000 pieds. Je prends ma carte et je vous brief. Alors, on va faire quoi? On est donc sur Istres, ici. Alors, là, vous voyez que, au passage, cette carte-là, c'est celle d'Avignon, service d'information aéronautique, et là, c'est marqué DIRCAM. Les cartes civiles, ici, sont sur le site du service d'information aéronautique, du SIA. Par contre, comme Istres, c'est une base aérienne, base militaire, c'est disponible sur le site de la DIRCAM. Voilà, donc, faut le savoir, vous pourriez en avoir besoin. Voilà notre approche. On va donc effectuer une approche GPS. Alors ça, je vais pouvoir augmenter un peu, ce sera plus joli. Allez, une approche AirNav GPS piste 15. Alors on va se mettre d'accord tout de suite sur les termes. Vous verrez AirNav GNSS, vous pourrez voir AirNav GPS et vous pourrez avoir RNP. Tout ça, c'est la même chose. Ce sont toutes les trois des approches AirNav GPS. La seule chose, c'est qu'en fonction des pays, ils ont pris des dénominations, des libellés qui sont différents. Dans la majorité des pays d'Europe, on appelle ça des AirNav GNSS. Vous allez maintenant en Allemagne, de plus en plus, ils appellent ça des RNP. Et vous allez aux États-Unis, ils appellent ça des AirNav GPS. Au final, c'est tout pareil, et ça va même se standardiser, et tout le monde appellera ça au fur et à mesure des procédures RNP. Donc, comme ont déjà fait les Allemands, pas partout sur tout leur terrain, mais ils commencent à le faire. Donc, tout ça, en tout cas, c'est la même chose, et à terme, ça s'appellera des percées RNP. Ensuite ici, catégorie ABCD, hein, ça bon je vous le redis pas, vous avez compris que c'est en fonction de la vitesse de l'avion. L'altitude de l'aérodrome 82, 77 au seuil de piste. Voilà, la déclinaison magnétique, donc la différence entre nord géographique et nord magnétique. Ici, l'altitude minimale de sécurité, dans un rayon de 25 nautiques autour de MI-401 qui est ici, donc 25 nautiques, c'est de 3400 pieds. Ça tombe très très bien, le scénario est bien fait, on est en train de monter vers 4000 pieds. La procédure en elle-même, donc nous on va arriver par là, tranquillou, donc on va venir sur MI-401, on prendra, on va pas faire de tour d'attente, hein, on va considérer qu'on fera une entrée directe là, donc MI-401, le cap 084, 1500, nous on sera au-dessus, hein, on sera à 3400 pieds, non 4000 pieds, pardon, donc il n'y a pas de problème. Pour Minotique 2, on arrivera sur ce point-là, MI-403. Au passage, ça, typiquement, c'est de la symbologie de point GPS. MI-403, on doit être entre 4000 et 3000. Autrement dit, ici, on sera à 4000, on descendra vers 3000 ici. À partir de là, on prendra un cap 114, 4 nautiques 8, pour arriver sur ce point-là, MI-404. Et il faudra qu'on y soit à 2100 pieds. Donc, il faudra qu'on pense à descendre de 3000 vers 2100. Et là, c'est donc notre intermédiaire fixe. À partir de ce point-là, donc, on se mettra en configuration de manière à débuter la descente en passant le FAF, le Final Approach Fix, qui est identifié par MI-405, et on descendra vers nos minima. Notre plan de descente est ici. Intermédiaire fixe MI-404, c'est vu. Le 124 pour le cap, c'est vu aussi. Jusqu'au FAF, c'est identifié avec la descente, donc depuis MI-405, depuis MI-405. La descente sur un plan à 5,2% vers des minima qu'on va regarder maintenant pour effectuer ce qu'on appelle une procédure AirNav avec des minima LNav. Donc c'est une procédure GPS, hein, une procédure AirNav, mais avec des minima LNav, autrement dit, qui dépendent de notre navigation. Notre type de navigation ici, ça va être juste un guidage GPS qui sera latéral. LNav, latéral navigation. Donc notre GPS va nous aider à nous guider latéralement, mais par contre, on n'a pas de guidage vertical. Il ne fait que nous guider latéralement. Le guidage vertical, le plan de descente, c'est à nous de le gérer. Comment? Eh bien, on va le gérer, on va voir ça un petit peu plus tard. La MVL, on s'en tamponne, hein, je vous rappelle ce que c'est quand même. Si vous arrivez ici pour faire votre approche, eh bien en finale, vous pourriez décider de remettre les gaz et venir vous présenter pour vous poser sur la piste 33. Dans quel cas, eh bien ça pourrait se faire parce que les conditions de vent ne le permettent pas, par exemple de se poser directement sur la 15. Ça peut être parce que vous auriez le soleil en pleine gueule qui fait que c'est pas très agréable d'essayer de se poser comme ça avec ces conditions-là. Même si pour une piste 15, c'est con ce que je viens de dire, parce que finalement... le soleil sera plutôt
Il sera tout en haut à midi, donc le plein sud. Donc du coup, là, au 150, soyez pas franchement emmerdés. Mais bon, peu importe, ça pourrait être des conditions de soleil également. Donc voilà, en tout cas, pour nous, ça se pose pas la question. On va faire notre approche RNAV, sur la piste 15 avec des minima LNAV. Donc les minima LNAV, ça nous indique qu'on ne fait la procédure qu'avec un guidage GPS latéral. Donc, comme on n'a que nos yeux pour pleurer pour le plan de descente, on voit qu'on va devoir descendre vers une minimum descent altitude de 410 pieds, donc qui est identifiée ici. Et pour gérer cette descente-là, on va pouvoir avoir ce tableau-là qui nous donne nos altitudes ici avec nos altitudes à lire en fonction des distances. Donc à 5 nautiques par exemple, on doit lire 1720, à 4 nautiques 1400, ce qui nous permet de gérer notre plan de descente. Et pour nous aider, on a ici donc un tableau qui nous donne en fonction de la distance, donc le FAF jusqu'au MAPT, le Missed Approach Point, donc le point auquel on initie l'approche interrompue. On a bien ici, là on a donc nos 6 nautiques 2 qu'on voit bien, et du coup en fonction de notre vitesse, admettons 100 nœuds, il va nous falloir 3 minutes 43 pour y aller, et avec une vertical speed, donc un taux de descente de 530 pieds minutes. Et ensuite donc on fait un monitoring de plan ici, et puis on réajuste si jamais il y a besoin. Voilà, donc ça c'est pour voler la procédure LNAV. Maintenant c'est pour voler cette procédure, RNAV avec des minima LNAV, mais sur un avion qui n'a pas forcément une capacité GPS avionique plutôt intéressante. Nous on a un gros avantage, c'est que le Garmin 1000 là, de ce Cessna, lui peut nous donner également un guidage vertical. Donc en plus de cette navigation latérale qui nous est donnée par le biais du GPS, l'avionique est capable de nous dire, eh bien, écoute, moi je peux te donner autre chose. Et je peux t'aider justement à manager ta descente. Mais oui, il n'est pas con le GPS, parce que ce qu'il voit lui, c'est que là on veut vouloir débuter la descente au FAF à 2100 pieds. Il sait aussi que nos minima ils sont situés ici à la MDA. Et il sait qu'entre les deux on veut descendre à 5,2%. Eh bien, en clair, il a une espèce de triangle ici qu'on appelle le triangle d'or, qui fait qu'à partir de là, il a ces trois fameuses valeurs qui lui permettent lui de calculer son plan de descente et de nous situer dans l'espace. Donc tous les avions ne le font pas, il faut avoir une avionique quand même particulière, mais sur ce type de GPS, lui, il l'intègre. Donc on aura uniquement ce qu'on appelle des minima LNAV, latéral navigation donnée par le GPS, mais merci à l'avionique, on va être capable d'avoir également en plus un guidage vertical. Au final, vous l'avez compris, on va avoir un guidage latéral, un guidage vertical, on va enclencher le mode approche et on va donc voler cette procédure qui est pourtant la plus basique des procédures RNAV. On va pouvoir la voler comme si on volait un ILS uniquement en armant le mode approche. Voilà, on s'est tout dit là-dessus. Je vous ai promis une remise de gaz en finale, on va la faire. Donc ici, en cas de remise de gaz, on regarde, c'est 152 le cap. Et API, vous voyez, approche interrompue, on monte à 3400 pieds vers MI406, MI407, MI402. Et on monte à 900 en accéléré. Donc, dans l'axe, MI406, MI407, MI402. Pas très compliqué, mais on va voler cette procédure. Une fois qu'on l'aura volé, on s'établira ici, vous voyez, sur la course, là, on a 14 nautiques. 14 nautiques, grosso modo à 120 nœuds, ça nous fait 7 minutes. On aura largement le temps de se configurer pour ensuite venir ici par la droite et venir shooter notre deuxième approche qui sera une autre approche RNAV sur l'aéroport de Marseille. Voilà, écoutez, j'ai pas grand chose à vous dire d'autre pour l'instant. Je vois qu'on arrive à 7 nautiques de Nîmes. Une dernière chose, si vous voyez ici MI401, donc le MI c'est pas au hasard, ça correspond aux deux dernières lettres du code OSCI. Donc pour Istres, ce sera MI et puis d'autres chiffres derrière. Si je regarde celle de Marseille, ici, vous voyez, Marseille, c'est LFML pour le code. Et bien les points, c'est ML403, ML405, ML408. Donc ça reprend chaque fois la même codification. Ce qui fait que sur les cartes, c'est vite le bordel parce qu'en fait, des points comme ça, il y en a une palanquée. Et du coup, c'est pas forcément évident de savoir quel point appartient à quoi. Donc du coup, et bien, en isolant ces deux derniers caractères, on sait à quel aéroport attacher ces points-là. On arrive sur Nîmes, 5 nautiques. Donc ce qu'on va faire nous maintenant, ce qu'on veut, c'est aller à... Non pas à Nîmes, mais l'objectif c'est d'aller à Istres. Donc, alors à Istres, je vais réduire un poil ma carte. Voilà. Pour aller à Istres, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon plan de vol. Et maintenant, je vais me mettre ici en heading.
Voilà, il dit, comme il est synchronisé, ça va bien se passer. Et je vais aller maintenant effacer mon plan de vol. Non, même pas, regardez ce que je vais faire. Je vais prendre ici. Alors, j'ai supprimé mon plan de vol. Je vais aller là, un cran, un deuxième cran à droite. Et là, il me met les aéroports les plus proches. Et vous voyez, par défaut, il m'a sélectionné directement LFMI. C'est beau. Situé à 24 nautiques. Ben, je vais mettre un direct sur Istres. Et du coup, il va me changer ici mes data. Voilà. Et ce que je confirme, c'est bien ça, un direct sur Istres. Crac. Et là, vous voyez, j'ai bien Istres, 24 nautiques, 127 le cap. Et je vais même me permettre un petit mode nav. Hop là, et maintenant il va se mettre en virage gauche pour aller chercher Istres. Ce que je vais faire, c'est sélectionner mon approche, qui est une AirNav GNSS sur la piste 15. Donc je vais maintenant sur procédure. Il sait maintenant que c'est à Istres que je vais, donc c'est l'approche à Istres qui m'intéresse. Je vais chercher ma procédure ici. Donc c'est une AirNav sur la piste 15, AirNav 15 GPS. Voilà. Ce que je veux, eh bien, je vais le prendre par MI401, c'est ce qu'on a dit. Donc je vais descendre. MI401. Voilà. C'est ce que je veux. Et je la load. Pof. MI401, il le voit ici. Eh bien, regardez ce que je vais faire. Il est ici, le point. Eh bien, je vais faire plan de vol. Ici, je vais. J'ai MI401 qui est là. Je vais faire un direct dessus. MI401. Je confirme. Et voilà. Et là, maintenant, il se met bien en virage, vous voyez, par la droite, pour aller chercher mon MI401. Donc là, il va se mettre en virage ici. Donc vous voyez, hein, on arrive comme ça. Il prend le MI401 et puis ensuite, il va enquiller l'approche tranquillou. Mon heading, je vais le synchroniser. Toujours prendre l'habitude. Hein. Parfait. 4000 pieds, c'est bien la bonne altitude. Voilà, il est en train de venir tranquillement chercher la trajectoire vers MI401. Excellent. Alors ici, il faut toujours... Vous voyez, là, je suis en surbrillance. C'est pas bon du tout, ça. Parce que si jamais je fais ça, ça veut dire qu'il est en train de centrer la carte, vous voyez, sur le point qui m'intéresse. Moi, ce que je veux, c'est qu'il centre toujours sur mon avion. C'est mon avion que je veux voir. Donc pour ça, il faut que je rappuie dessus. Hop, et là, vous voyez, je suis centré maintenant sur mon avion. Je ne peux pas me permettre d'avoir un avion que je ne vois plus parce qu'il est en train de zoomer sur un point. Donc, ma priorité, c'est l'avion. Je vous rappelle que les trois règles dans l'aviation, c'est fly, navigate, communicate. Hein. On commence par voler, par naviguer, et ensuite on communique. Donc, si on ne voit plus l'avion ici, bah, c'est pas bon. Donc, voler l'avion, on sait le faire. Naviguer, par contre, si on ne sait pas trop où on va, c'est pas bon. Hop, virage par la gauche, il va chercher mon prochain point MI403, voilà, qui est ici, et là maintenant je suis censé descendre vers 3000 pieds. Et bien voilà, 3000 pieds, je vais mettre en vertical speed, allez 500 pieds minute, ce sera largement suffisant, je vais enlever un filet de gaz, il me reste 8 nautiques, 500 pieds minute, ça veut dire que j'ai 1000 pieds à perdre, j'en ai pour 2 minutes, 2 minutes, je fais 2 nautiques minute, 4 nautiques quoi, donc je serai stabilisé 3 nautiques avant d'arriver, c'est parfait. Ensuite, est-ce que je peux zoomer un poil? Ouais, c'est très bien, comme ça je vois bien ma procédure. Hop, je vais pouvoir réduire un peu ça. Voilà, je synchronise mon cap, toujours prendre l'habitude. Bon là il est en train de virer tranquillou, ce que je vais faire c'est que mon cap je le mets directement là où il veut aller. Parfait, je vais me mettre sur ma trajectoire. Ensuite, une fois que j'arrive à MI403, là il me demande de descendre, mais par contre cette fois-ci, vous voyez, j'ai une altitude imposée. J'ai un trait au-dessus et un trait en dessous de 2100, donc là... Je pense, on va vérifier tout à l'heure ensemble, mais à mon avis, quand on va arriver là-dessus, sur MI403, il va me demander de descendre, et il va me proposer même un guide de descente, si vous voulez, de manière à ce que je puisse descendre sur un plan optimal, qui sera, alors pas défaut, vous voyez, il le met ici, ce sera par un plan à, généralement à 2,5 degrés, c'est ce qu'il a en magasin, ce qui me correspond très bien. Donc on va voir tout à l'heure, mais je pense que quand on va arriver sur MI403, il va nous proposer justement un plan de descente à suivre, de manière à arriver pile poil sur MI404 à 2100 pieds.
Voilà, on arrive tranquillement à 3000 pieds. La vitesse, on va remettre un petit filet de gaz pour éviter que ça décélère trop. Hop, on synchronise le cap. Donc je vous rappelle, pour cette approche là, donc c'est une approche RNAV avec des minima LNAV. Donc le guidage radar me sera donné, latéral me sera donné par le GPS, et le guidage vertical, comme je suis dans un avion avec une avionique assez évoluée, il va pouvoir me fournir ce guidage également vertical qu'on verra tout à l'heure. Si je ne l'avais pas, je serais obligé dans ces cas-là de le faire avec des minima, un plan de descente, pardon, que je suis obligé de manager moi-même avec un taux de descente et puis à chaque fois faire des monitoring de plan. Mes minima pour mon approche LNAV, c'est donc une MDA, une minimum descent altitude à 410 pieds, quelle que soit la catégorie avion, et il me faut 1100 mètres de visibilité. Je mets tout de suite, hop, mes minima. Voilà, et j'ai dit 410 pieds. Voilà, c'est fait. Parfait. Alors, je suis à un nautique. Donc on va regarder, mais je pense qu'il va nous fournir un petit monitoring pour le. Enfin, une petite assistance là pour la descente. Tac, vous voyez ici, il m'a mis le petit vertical ici, et il me donne un petit symbole qui me dit, bah tiens, il va falloir que tu descendes vers 2100 pieds, camarade. Donc je vais les mettre tout de suite d'ailleurs, mes 2100 pieds. Voilà, et puis je vais me tenir prêt à suivre justement ce petit V qui lui m'indique le taux de descente idéal sur un plan à 2.5 degrés de manière à pouvoir arriver sur mon altitude. Donc là, vous voyez, je passe en vertical speed. Bon, il me met plus 5 pieds par milieu, c'est pas bien dérangeant. Et dès que ce petit symbole là, le V, va arriver en face là, je vais me mettre en descente et je vais appuyer sur le nose down ici pour aller chercher. Oui, mon nose down pour l'instant il est à 0 hein, parce que je suis à peu près stable. Et je vais le faire tomber à ce niveau là pour aller chercher mon plan de descente idéal. Regardez. Là j'y arrive. Tac. Et ben voilà, hop, vous voyez, je joue avec et hop, là je suis allé chercher mon taux de descente ici. Et maintenant que je suis dedans, a priori, il va respecter mon plan là. Ça veut dire que je suis en train de descendre proprement. Et que si je ne change rien, je vais aller intercepter mon MI-404 pile poil à 2100 pieds, comme on me l'a demandé ici. MI-404, 2100 pieds. Donc vous voyez, c'est quand même une aide qui est intéressante pour vous, qui vous permet vraiment de manager votre descente sans trop savoir si jamais c'est 800 pieds, 700 pieds, 400 pieds minute. Voilà, je vois que je suis pas trop mal. Alors là, je suis en train de passer un poil haut. Il faudrait éventuellement que je remette un petit pouillème à descendre. Et là, on va intercepter tranquillement les 2100 pieds sur MI-404. Mon cap, je le synchronise. Là, je suis parfait sur mon plan. Je risque de passer, on va voir, peut-être un petit peu bas. Il faudra peut-être que j'y mette un poil de nose up. Ouais, c'est vraiment pour pinailler quoi. Ouais, je suis pas mal sur mon plan. Vous voyez, j'arrive à 2100, à 0 nautique 4, c'est parfait quoi. Là, je suis resté sur mon plan, juste en mettant ma petite pinule ici en face du petit V qui était indiqué. Voilà, il vire maintenant par la droite. 2100 pieds, c'est mon altitude ici, pardon, là, qui est stable maintenant. Voilà, entre MI-404 et MI-405. Et ici, regardez, il m'a mis maintenant un petit glide pass magenta. Donc, il dit bien que c'est monitoré par le système. Hein. Et ici, avec une petite pinule magenta également, qui me donne, donc qui va s'activer tout à l'heure pour me donner justement l'évolution du plan de descente. Donc, je synchronise mon cap. Ici,
Je n'ai plus qu'à armer le mode approche ici. Et quand je vais l'armer, vous allez voir qu'ici, il va me mettre Glide Pass quelque chose. Voilà, Glide Pass slash V pour Vertical Guidance. Qui fait qu'il a compris que pour l'instant, le mode latéral est géré par le GPS. L'autopilot est sur on. Il me maintient l'altitude de 2100 pieds. Jusqu'à intercepter justement le Glide Pass qui est là et qui lui sera programmé par l'avionique. L'avionique, encore une fois, qui a fait le calcul en disant je connais l'altitude ici, je connais celle-là, je sais le plan ici en fonction de la distance, donc je suis capable de te donner ce guidage vertical. Alors sur un Cessna plus ancien qui n'est pas de Garmin 1000 avec un vieux GPS, vous n'aurez pas forcément cette possibilité-là. Donc dans ces cas-là, vous paluchez vous-même votre plan de descente. Mais sur des technologies comme ça, c'est la même que sur un Airbus, que sur un Boeing, que sur un Falcon. On a tous les mêmes technologies, si vous voulez, et c'est parfaitement adaptable. Vous voyez, même à ce genre de suite avionique, qui reste plus, si j'ose dire, grand public, puisqu'on les retrouve dans des aéroclubs, mais on fait quand même des choses grandioses. Avec ce genre d'avionique, là, vous faites les mêmes choses finalement qu'un avion qui vaut beaucoup, beaucoup plus cher, quoi. Donc c'est vraiment une très bonne suite avionique avec beaucoup de possibilités intéressantes. Là, il va me réactiver encore le petit V de tout à l'heure. Voilà, vous voyez. Et quand, ça, ce que ça veut dire, c'est, voilà, maintenant c'est la pinule qui arrive en me disant, attention, je suis en train, enfin tu es en train d'arriver sur ton plan. En clair, si tu voulais configurer ton avion, c'est maintenant. Donc, la vitesse, elle n'est pas très élevée. Je vais rester comme ça. Et ici, vous voyez, j'ai GPS, pour bien me comprendre comme c'est une approche GPS, et il me met LNAV plus V. LNAV, bah oui, c'est bien une approche RNAV avec des minima LNAV que je fais, donc un guidage latéral par le GPS. Alors, attendez, on va juste attendre l'interception ici, où il va passer le glide pass en vert. Top, voilà. Donc là, maintenant, il est bien en monitoring lui-même du plan et puis de l'axe et du plan. Et là, il est en train de virer par la droite, ce qui est normal. Il doit virer au 152. Je vais synchroniser mon cap tout de suite. Voilà. Je vais réduire ma vitesse. J'ai ma piste devant. Et oui, donc ici, le LNAV, c'est bien pour me rappeler que, attention, je fais une approche LNAV vers des minima LNAV. Mais en même temps, il me met plus V. Pourquoi? Parce que l'avionique est capable de me donner en plus cette fameuse guidance, enfin ce guidage, si vous voulez, en mode vertical. Donc c'est quand même un mode qui est assez évolué. Donc je suis en LNAV plus V. Je descends, vous voyez, il respecte parfaitement mon axe. Il respecte un chouïa, on est un petit poil bas, mais il va revenir tranquillou sur le plan. Je réduis ma vitesse et je n'ai plus qu'à configurer mon avion. Je vous rappelle la remise de gaz dans l'axe, donc au 152, pour ensuite venir sur MI406, bon on anticipera un poil le virage, et ensuite MI407, puis MI402, et on monte vers 3400 pieds. Maintenant qu'on est là, je vais vous montrer un truc marrant. Ici 1100, allez 1003. Il est en glide pass, il se tamponne complètement de ce que j'ai pu mettre ici. Vous allez voir qu'il va passer au travers sans respecter justement cette contrainte d'altitude. Vous voyez, ça lui en touche une sans faire bouger l'autre. Il est passé au travers sans s'arrêter. Alors que si on avait été en vertical speed, dans ces cas-là, par contre, il aurait fait un level off, un palier, il se serait arrêté ici. Lui, il s'en fout complètement. Il est en train de suivre un glide pass. Il fait ce qu'on lui a demandé. Donc après, le reste, il s'en tape complètement. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est profiter pour mettre directement nos 3400 pieds d'altitude de remise de gaz. Comme ça, on est déjà, encore une fois, un step avant, de manière à anticiper ce qui peut se passer. On est toujours go-minded en termes de remise de gaz, c'est-à-dire quand on fait une approche, on est toujours en train d'anticiper le fait qu'on risque de se cogner une approche interrompue, auquel cas c'est par où on va et vers où on monte. Le par où on va, c'est le cap 152 initial, et vers quelle altitude? 3004. On est propre, on est calé partout, nos minima sont CT, on n'a plus qu'à se préparer. Pour effectuer la remise de gaz, c'est très simple, c'est... Alors attendez, je dis ça, mais pour l'instant je ne suis pas du tout configuré... Pour la remise de gaz, c'est les gaz donc à fond les manettes, on désenclenche le PA et on se met en régime de montée pour avoir une assiette positive. Et lorsqu'on a tous les volets de sortie, on rentre un cran de volet. Voilà,
Champ configuration d'atterrissage, plein volet. Je suis à 200 pieds, à peu près 230 pieds. Et donc, je vous rappelle, la remise de gaz, c'est full power. Je déconnecte le PA, je passe en assiette positive et surtout tout de suite je rentre un cran de volet parce que j'ai trop traîné. Donc il faut vraiment que je réduise ça et je reste par contre avec le reste des volets, c'est pas dérangeant. Le copilote m'annoncera ici 100 pieds des minima de manière à ce que je me prépare. On y arrive. On y arrive. Allez, décision, remise de gaz. Je déconnecte le PA, full power. J'effectue une ressource tranquillou. Je rentre un cran de volet. Allez, je reste bien positif. Et là, maintenant, je vais attendre. Donc, je suis mon cap. Vous voyez ici, j'essaye en tout cas. Ça, vous ne me voyez pas, mais j'ai les bras croisés parce que c'est un peu le bordel. Et ce que je vais faire, c'est que je vais attendre qu'ici, il y a un susp qui s'affiche en blanc. Le susp qui va s'afficher, ça va être, j'ai compris que tu es en train d'initier une remise de gaz, et est-ce que tu veux que je te séquence la liste des points à suivre ensuite pour la remise de gaz, justement. Voilà, crac. Donc vous voyez, on a dépassé le missed approach point. Maintenant, je clique dessus. Vous voyez la trajectoire en magenta et en blanc. Je vais cliquer dessus, et maintenant, il la change. Alors, maintenant qu'il l'a changé, c'est bien. Je vais plus qu'à me mettre... Oups là, pardon. Je vais me mettre des modes. Alors, je vais me mettre en heading. Voilà, et puis je vais le mettre maintenant en autopilot. Voilà, donc là il est en train de me suivre ma trajectoire, vous voyez, au 152 tel qu'on me l'a demandé. Je rentre mes volets, il est en train de monter au 152 et il est en train de monter vers 3400 pieds. Ici je vais zoomer un poil, j'ai ma trajectoire, je vais la suivre ici, sachant que moi on m'a demandé de suivre donc le cap 152 hein, jusqu'à arriver sur ce point là, le MI 406, et au MI 406 je tombe par la droite, sauf que lui, vous voyez qu'ici il n'y a déjà plus rien et que lui sa ligne magenta, autrement dit celle qu'il a envie de suivre, c'est celle-ci. Donc si jamais j'avais enquillé le mode nav tout de suite pour qu'il passe en GPS, il aurait initié un virage tout de suite par la droite pour aller chercher ce fameux point MI 407, ce qui n'est pas du tout l'idée. C'est pour ça que ça, il faut faire très très attention, et c'est clairement le piège à con pour militaires isolés. Il faut toujours, dans ces cas-là, quand vous faites votre remise de gaz, mettez-le en mode heading. Ça vous donne le temps de respirer, au moins vous savez où vous allez. Vous montez, parce que vous avez géré votre pitch, et après vous réfléchissez en regardant votre waypoint list, votre liste des points. Là. Et là, vous voyez bien que bah, ce n'est pas une solution d'avenir d'enclencher le mode navigation, sinon il fout le camp ici. Donc là, en mode heading, vous allez poursuivre vers ce point-là, et lorsque vous serez là, vous pourrez renclencher le mode nav de manière à ce qu'il puisse enquiller lui la procédure qu'il a envie de suivre. Alors, ce ne sera pas toujours comme ça. Il y a certaines procédures où vous pourrez parfaitement l'activer tout de suite. Et d'autres où, comme ça, il va faire un step, il va zibber un point comme ça pour pouvoir en enquiller un plus loin. Alors peut-être parce qu'il y en a un qui est trop près et que du coup il n'arrive pas à le séquencer et il vous amène plus loin. Honnêtement, j'en sais rien, ça dépendra des approches. Mais faites très 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 attention à ça. Si vous êtes amené à remettre les gaz, je préconise fortement le mode heading d'abord, et ensuite vous regardez un peu ce qui se passe, et puis vous faites le tri des patates. Là ici, vous voyez, on s'est quand même pas précipité. On est en train d'arriver tranquillou à 3004. Là on va accélérer, bah du coup maintenant qu'on a plus les volets, on va accélérer tranquillement vers 100, une centaine de nœuds, 120 nœuds, et puis après on va suivre cette trajectoire là. Voilà. Donc vous voyez, là on vient d'effectuer une approche RNAV avec des minima LNAV, mais qui fait que le mode, même les minima LNAV, fait que c'est le plus basique qu'on puisse trouver. En fin de compte, on ne l'a volé comme un ILS. On a juste armé le mode approche et il s'est démerdé tout seul. Là vous voyez, maintenant je vais pouvoir armer le mode navigation. Crac. Et là maintenant, GPS, il va suivre tranquillou par la droite, ici, pour aller suivre sa trajectoire. Et continuer l'approche interrompue telle qu'elle est codée en fait dans le système. Donc il n'y a plus aucune excuse pour vous, c'est à dire que même quand vous arrivez et que vous voyez une percée GPS avec des minima LNAV,
Vous savez que, en tout cas, en fonction du type d'avion, hein, si vous faites ça avec un DC-3, ça va pas être facile. Mais si vous faites ça avec un avion comme ça, on va dire glass cockpit ou aviation un peu moderne, de toute façon, ce genre d'avion, ils prennent en compte eh bien, cette descente avec un mode vertical qui fait que bah, vous avez cette facilité-là qui va vous voir, il va pouvoir vous guider aussi bien latéralement que verticalement. On synchronise. Parfait. Et donc après, hein, vous avez vu le topo, il va arriver ici sur MI-407 hein, dans 3 nautiques 4 et puis ensuite il va partir à droite ici sur, je crois que c'est 14 nautiques, si je me souviens bien, 14 nautiques. Donc pendant ce temps-là, eh bien, on va phraser hop, de la deuxième approche qui est celle-ci. Voilà. Et celle-ci, donc c'est une approche à Marseille, hein, catégorie ABCD, pareil. Alors 70 pour l'aérodrome, 8 pour le seuil décalé, donc il y a quand même mine de rien, vous voyez, 62 pieds d'écart. Hein. 62 pieds, ça, il y a 20 mètres d'écart quand même entre l'altitude référence de l'aéroport et puis celle du seuil. C'est pas négligeable. On va donc faire une approche AirNav. C'est une FNA, une Final Approach. Et donc ça veut dire qu'il y en a une autre page qui s'appelle INA pour Initial Approach. On s'en tamponne, on va prendre que celle-ci. C'est pour effectuer la AirNav, donc GNSS Zulu. Alors pourquoi Zulu? Parce que vous pouvez avoir X, Y, Z, il y en a sûrement 3 de publiés, sur la piste 13 gauche. Ici, sur notre percée, vous allez voir que, vous voyez ici, on va enquiller directement depuis l'intermédiaire fixe. On n'a pas de IAF. Si on voulait IAF, on se référerait justement aux fiches INA, qui, elle, nous donnerait des trajectoires préliminaires. Nous, on s'en tamponne, on considère que là, on est sur... on va aller sur Marseille, et qu'ensuite, dans la réalité, c'est pareil, hein, les contrôleurs, ils aiment bien directement guider les avions, et de leur donner un vecteur, un guidage radar, de manière à les amener directement sur l'approche. C'est ce qui va se passer aussi pour nous, c'est ce qu'on va faire. Donc, on arrive directement sur l'intermédiaire fixe, qui s'appelle ML403, à 4000 pieds. Maximum 185 nœuds, ça devrait donc très bien se passer pour le Cessna. Ensuite, ce sera au cap 133 vers ML405 qui est notre FAF, notre Final Approach Fix, ce qui fait que c'est là qu'on débutera la descente et on sera toujours à 4000 pieds. Ensuite, une fois qu'on est là, eh bien, on débutera la descente vers des minima qu'on va regarder et puis après on voit ici en pointillé l'approche interrompue. Ici, India Fox, donc l'intermédiaire fixe, 4000 pieds, ML403, c'est bien ça. Vers ML405 qui est le FAF, c'est vu également. La descente sur un plan de 3 degrés, 5,2%, vers des minima qu'on va aller regarder. Et ici, on a toujours notre Missed Approach Point, qui fait que c'est notre point d'approche interrompu. Et qui là est pareil à la verticale du seuil de piste. Ce n'est pas toujours le cas, mais là, il est bien à la verticale du seuil de piste. Ici, il faut que je synchronise mon cap. Je suis à 11 nautiques de MI-402, donc à un peu plus de 2 nautiques minutes. On a pour 5 minutes, c'est parfait. Ici, donc la descente, on l'a vu, les minima. Alors regardez comme c'est intéressant ici. On a un tableau qui est un peu plus conséquent que celle de Istres. Pourquoi? On a les 4 catégories avions, toujours. On a ici un cartouche LPV, un cartouche LNAV-VINAV et un cartouche LNAV. Encore un NVL, on s'en tamponne, hein, vous avez compris ce que c'était, on s'en fout. LNAV, bah c'est ce qu'on a fait juste avant. Donc ça, c'est ce qui vous donne par le GPS un guidage latéral et uniquement latéral. LNAV-VINAV, on le verra un peu plus tard. Là, nous, ce qu'on va faire, c'est une percée avec des minima LPV. LPV, c'est latéral performance, avec vertical guidance, LPV. On a deux cartouches qui sont à peu près identiques. Ce qui différencie, c'est le pourcentage, le gradient qu'on peut avoir si vous voulez en remise de gaz. En standard, la réglementation demande à ce qu'un avion soit certifié pour pouvoir prendre au moins 2,5% en remise de gaz. Donc en clair, là c'est le minimum syndical. Maintenant, si vous savez prendre 3% en remise de gaz, bon, ce qui sera le cas sur notre avion, parce qu'on n'est pas très lourd, dans ces cas-là, vous voyez, on a des minima qui seront meilleurs. Nous, je vous rappelle que c'est catégorie A. Donc, dans le cadre de la LPV, eh bien, vous voyez, dans le cadre d'une LNAV, pardon, on serait descendu à une minimum destination altitude de 440 pieds. Et regardez que pour nous, en faisant une LPV, on peut descendre à 280 pieds. Donc c'est juste mieux. Pourquoi? Qu'est-ce qui nous permet d'effectuer cette LPV? Eh bien, pour ça, il nous faut pas mal de choses.
pour faire une percée Erna avec des minima LPV, il faut et d'une que les pilotes soient formés. Pourquoi? Parce que on va avoir un signal satellite qui est particulier et il va nous falloir un monitoring particulier. Il va falloir que l'avion soit également certifié pour le faire. Il va falloir certains équipements GPS de manière à pouvoir conduire justement ces approches avec minimum LPV. Et surtout, il va nous falloir des satellites particuliers. Alors vous allez voir comme le scénario est bien fait. C'est qu'ici, vous voyez, c'est une page d'un vrai Garmin. Donc ça, on l'a pas nous sur le Garmin 1000 qu'on a ici. Pourquoi? Parce qu'on peut pas simuler non plus les positions des GPS, quoi. Donc ça sert à rien de l'avoir matérialisé. Mais ici, pour vous montrer, dans un Garmin 1000 normal, sinon on a cette page là qui nous donne justement la position des satellites. Ici la constellation est satellite. Et ici, en GPS status, on a SBAS actif. Alors, quand vous voulez utiliser les GPS en procédure standard, hein, vous avez une constellation de 24 ou 30 satellites en fonction de là où vous vous trouvez dans le monde, qui fait que vous appuyez dessus de manière à pouvoir récupérer peut-être 7, 8, 10, 11 satellites, peut-être plus même, de manière à pouvoir vous positionner. Les GPS, vous savez que c'est quand même fiable, mais qu'il peut y avoir une petite erreur de positionnement, légère. Eh bien, on va s'appuyer sur une autre constellation satellite qu'on appelle des satellites géostationnaires, qui sont des satellites SBAS. Et ces satellites géostationnaires, qui sont en plus de la constellation que vous connaissez, sont là pour monitorer un peu le signal GPS de tout le monde, et puis corriger ou affiner un poil le signal en disant « voilà, il y a une petite erreur que j'ai détectée, on va la corriger ». Et il va vraiment affiner le signal de manière à faire avoir un truc très 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 précis. Et ça, c'est ce qu'on appelle le SBAS. C'est Satellite Based Augmentation System. Donc c'est vraiment des GPS, on va dire des GPS maîtres, qui sont là pour monitorer un peu ce qui se passe et affiner un peu le signal GPS. Et c'est grâce à eux qu'on va pouvoir effectuer des approches justement LPV, qui fait que ce sont des approches qui nous donnent un guidage latéral et vertical en utilisant le GPS, mais grâce à ce fameux signal justement SBAS qu'on a via les satellites géostationnaires et qui vont corriger un poil la position. Je fais une pause parce que là, vous allez voir, on arrive, vous voyez, à MI402 et après il va être paumé là. Donc ce qu'on va faire, on va le mettre en mode heading tout de suite. Il est synchronisé, hein, c'est l'intérêt de synchroniser en permanence. Crac, heading, comme ça il n'a pas bougé, il va poursuivre sa trajectoire le temps que je termine de vous briefer. Donc voilà, donc grâce, si vous voulez, à ce signal SBAS, on va être capable de shooter justement une approche LPV. Elle est où l'approche LPV? Non, elle est en dessous. Voilà. Donc nous, ici, on a alors les satellites géostationnaires, justement. En Europe, ils s'appellent EGNOS et aux États-Unis, ils s'appellent WAS, W-A-A-S. Donc ici, on est bien avec justement un signal des géostationnaires, EGNOS. Voilà, qui nous donne les informations dessus. Et on peut donc, nous, si jamais on a un signal SBAS satisfaisant, on peut pouvoir shooter cette approche LPV. Ça, c'est d'un point de vue satellite. D'un point de vue avion, il faut aussi que lui, justement, ait cette capacité de pouvoir détecter ce signal SBAS de manière à pouvoir corriger un pouillème s'il y a besoin, le signal GPS de la constellation standard. Alors vous avez de la chance, là-dessus justement on l'a sur le Cessna 172, je ne peux pas vous le montrer parce qu'il n'apparaît pas, justement parce qu'on n'a pas accès à cette page GPS, parce que ce ne serait pas d'un grand intérêt, mais on peut bénéficier justement de ce signal SBAS, et dans la réalité, beaucoup justement de GPS permettent également de le faire, hein. Des GPS du type Garmin 1000 ou G530, GNS530 peuvent le faire. Et je vous ai parlé de l'équipage aussi. Et oui, l'équipage aussi, il faut être qualifié. Pourquoi? Parce que là, on est sur une approche qui utilise le GPS avec un signal encore plus précis. Mais qui fait que, si je m'en en ai là, c'est peut-être parce qu'il y a des parpaings autour. Peut-être qu'il peut y avoir pas mal de monde aussi. Ce qui fait qu'on n'a pas le droit d'erreur de positionnement. Donc, si jamais on voit qu'on sort de la marge d'erreur, ou en tout cas qu'on a une dégradation du signal GPS, il faut être capable de réagir en conséquence, à savoir est-ce que je peux me rabattre sur une autre type d'approche, est-ce que je peux éventuellement changer pour effectuer un ILS, ou est-ce que je n'ai rien à disposition et que du coup il va falloir que j'initie une remise de gaz, donc une approche interrompue. Donc tout ça, ça se travaille pour un équipage, et il y a besoin, si vous voulez, de passer au SIMU et d'avoir un entraînement particulier qui fait qu'on va travailler justement ce genre de signal dégradé ou comment on va se reconfigurer dans
ces cas-là pour faire pour pallier à une perte de signal ou une dégradation du signal. Aujourd'hui tout va bien, on considère que l'équipage est qualifié, l'avion on sait qu'il est capable d'utiliser le signal S-bass pour effectuer ce genre de percée, et on sait également que bien nous on a bien une percée LPV ici, avec une percée AirNav avec des minima LPV qui nous permet de shooter l'approche. Donc on va maintenant réduire un peu la carte, on est en éloignement ici, et nous ce qu'on veut maintenant c'est partir à Marseille. Eh bien, on va changer le GPS sans problème puisque maintenant il est en heading, donc on sait qu'il va pouvoir grenouiller tranquillement. Avant de faire ça, je vais vérifier mes paramètres. 2680, je suis à 130 nœuds, c'est parfait. Le cap 312, tout est cohérent. Donc, je vais reprendre mon plan de vol. Ben, je suis dessus, ça tombe bien. Je vais l'effacer parce que tout ça c'est sur Istres. Je m'en tamponne. Voilà, delete, crac. Écoutez, là on a un bug pas prévu, on a tout perdu. Alors c'est pas bien grave, on est à vue, on voit ici que l'incidence n'a pas changé, donc on a la bonne assiette. Si vous voulez, on voit bien qu'on est à peu près en palier, tout va bien, le régime moteur est constant également, donc on n'a pas à s'inquiéter outre mesure. Bien, c'est pas bien grave, on va faire face à ça. Donc on est en condition encore une fois VFR, hein, VMC, donc c'est pas très grave, c'est un petit peu emmerdant quand même, hein, on va pas se mentir. Alors, on va manipuler ça. Donc, comment on va faire? On va effacer le plan de vol ici. On va chercher, comme tout à l'heure, les aéroports les plus proches. Vous voyez, et nous, ce qu'on veut, c'est aller à Marseille. Alors, à Marseille, eh bien, on va descendre, on va regarder où se trouve Marseille. Voilà, Marseille-Provence, il est ici, 33 nautiques. C'est ça que je veux, oui, je vais faire un direct dessus. Il me confirme Marseille, je confirme et j'active. Bah écoutez, voilà, parfait, on a récupéré notre écran. On est donc sur Marseille. On va effectuer maintenant, écoutez, vous savez quoi, je vais le mettre en nav tout de suite. Et puis là, il va virer par la droite pour aller chercher maintenant Marseille. Bon, je ne sais pas du tout pourquoi on a perdu l'écran. Bon, c'est un bug, hein, de toute façon, logiciel, hein, c'est évident. Je sais pas ce qui l'a fait cafouiller comme ça, mais ça sert à rien, oui, de paniquer ou faire quoi que ce soit, hein. J'ai après on est en condition VFR. Bon, c'est sûr que le poser comme ça sans avoir une référence de vitesse, c'est pas toujours évident, mais je vous rappelle qu'ici on a quand même, hein, les moyens de secours, donc qui fait que dans ces cas là on s'appuie dessus et puis on peut parfaitement voler jusqu'à l'atterrissage. Bon, on n'avait pas besoin d'en arriver là, on a retrouvé l'écran. Donc maintenant on est en route pour Marseille. Et on veut effectuer cette approche-là, qui est donc la AirNav Zulu piste 13 gauche. On va aller chercher notre procédure ici. On est bien sur Marseille maintenant. On va aller chercher, on a dit, la AirNav 13 gauche Zulu. AirNav 13 gauche Zulu, c'est celle-ci. Alors, il me demande si je veux la faire par vecteur, autrement dit, est-ce que j'aurai des guidages radar pour m'amener dessus, ou est-ce que j'ai un autre IAF? Alors, je vous ai dit que là, on allait se faire guider directement dessus, donc je vais le prendre par vecteur. Je l'active, les minima, on va regarder ça après, et oui, je demande de la loader. Voilà, donc là, il me l'a préparé déjà. Je vais regarder mon plan de vol, et mon premier point, il me met ML403. Il a raison, ML403 c'est bien mon intermédiaire fixe vers lequel il faut qu'il me guide. Donc je vais aller le chercher ici, parce que vous voyez pour l'instant il est toujours en direct sur Marseille. Hein. J'appuie. Alors vous voyez, quand j'appuie, hein, c'est en surbrillance et je ne vois plus mon avion. C'est un peu emmerdant. Je descends, je vais chercher mon ML403. C'est bien sur celui-ci que je vais me faire guider. Je vais faire un direct tout ici. Crac. Et là il est parti dessus. Vous voyez, ML403, il est bien en virage par la gauche pour aller le chercher. Alors là, vous allez me dire, je vois pas l'avion. Vous avez raison, je clique dessus. Crac. Et là, je vois mon avion, effectivement, qui part. Si j'enlève mon plan de vol. Voilà, et que je dézoome. Alors, il y avait ces flèches-là, mais non, je ne sais pas pourquoi elles ne marchent pas. Bon, c'est pas grave, je vais dézoomer. Voilà, je suis bien en direct sur ML403. Mon altitude, je vous rappelle que c'est 4000 pieds. Hein. Là, j'ai un train en dessous qui me dit que c'est 4000 pieds ou au-dessus qu'il faut que je sois. Je vais donc monter vers 4000 pieds. En vertical speed. Je vais monter tranquillou. Hein. Je suis à 15 nautiques, j'ai le temps. Je vais mettre à même pas 300 pieds minutes. C'est largement suffisant. Mon cap, je vais synchroniser. Voilà.
Je suis en route, donc vous voyez au cap 0,97, donc je suis en train de faire à peu près ça pour arriver sur mon point ici ML403. Je vais effectuer mon approche RNA avec des minima LPV. Bon, on a parlé de tout ça. Il reste à parler de LNAV-VNAV. Alors la différence du LNAV-VNAV, c'est que en fait c'est entre les deux. C'est-à-dire que là, si vous avez des minima LNAV, vous n'avez que un guidage latéral. Si vous avez du LPV, vous avez un guidage et latéral et vertical qui s'appuie sur une correction d'un signal S basse. La percée LNAV-VNAV, c'est la même chose qu'un LPV, si vous voulez, sauf que, parce qu'il va vous donner un guidage latéral, LNAV, un guidage vertical, donc VNAV, sauf que lui ne s'appuie pas justement sur la constellation des satellites géostationnaires S-BAS pour corriger le signal satellite. Donc du coup, eh ben, comme vous êtes sur des conditions un peu dégradées, du coup vous avez des minima qui sont un petit peu plus élevés. Là, vous voyez qu'on est toujours sur une decision altitude, mais à 360 pieds au lieu de 280. Mais c'est quand même mieux que 440. Donc, on est toujours quand même sur un guidage latéral et vertical, mais comme il ne s'appuie pas sur une précision justement corrigée par le signal S-bass, eh bien, on est sur une condition un peu moins favorable que la LPV. Maintenant, la LPV, on armait le mode approche pour la voler, hein, c'est ce qu'on a fait avant. Non, c'est pas ce qu'on a fait d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire maintenant. On va appuyer sur le mode approche. La LNAV, c'est ce qu'on a fait avant sur Istres, et on l'a volé en armant le mode approche. Et bien la LNAV VNAV, c'est exactement la même chose. Quand on se rapproche, on enquille le mode approche également, et on a un guidage aussi bien vertical que latéral. Donc, quel que soit le terrain dans le monde, vous aurez toujours ou LNAV, ou LNAV VNAV, ou LPV. Ou alors vous aurez les trois, comme c'est le cas ici. Sur certaines approches, comme à Istres, vous voyez, on n'avait que la LNAV. Parfois, vous aurez LNAV ou LNAV-VNAV. Mais vous voyez que dans les trois cas, quand vous volez ce genre d'avions, qui sont maintenant suffisamment modernes avec un GPS, vous êtes toujours capable de voler ces trois types de minima uniquement en armant le mode approche. Donc, c'est pour ça que vous n'avez aucune excuse de ne pas shooter des approches RNAV. En tout cas, bon, dans la réalité, ça peut être un peu différent. Ce qui peut y avoir 2-3 cas qui fait qu'il y a des exceptions. Mais là, quand même, vous n'avez aucune excuse. 90% des terrains maintenant en France, c'est à la louche, hein, 90%, ont des approches RNAV parce que ça leur coûte rien. Il n'y a pas d'infrastructure au sol. Je vous rappelle qu'un ILS avec un lock et un glide, je vous l'ai peut-être déjà dit, mais il y a quand même, c'est de l'infrastructure au sol, c'est de l'entretien à avoir, c'est des calibrations à prévoir, donc c'est quand même très onéreux. Le GPS, ça leur coûte que dalle, et même les tout petits terrains sont équipés maintenant d'approches GPS. Donc, ça vous évite, quand vous volez en réseau, notamment sur IVAO ou VATSIM, d'aller chercher que des terrains sur lesquels vous avez des procédures ILS. C'est dommage. Là, vous ouvrez vraiment un théâtre beaucoup plus important, et en faisant des approches, où franchement, il n'y a pas besoin de se gratter beaucoup la tête, hein, c'est le mode approche, on l'enquille et ça part tout seul. Quel que soit justement le type d'approche, LNAV, LNAV-VNAV ou LPV. Donc là, je ne vous montrerai pas la LNAV-VNAV, hein. On a volé déjà la LNAV, on va voler la LPV, mais vous savez que la LNAV-VNAV, c'est tout pareil, on arme le mode d'approche et c'est terminé. Bon, on s'approche, 7 nautiques 2, c'est parfait, on est à 4000 pieds, et ensuite, lorsqu'on arrive donc à ME403, on maintient d'ailleurs les 4000 pieds, donc il n'y a rien à faire au niveau altitude, et il n'y aura plus qu'à engager le mode d'approche pour la descente. Je vais vous demander si vous avez des questions, mais bon là forcément pour l'instant vous n'en avez pas. Mais si vous avez des questions, écoutez, vous n'hésitez pas à les poser sous la vidéo comme d'habitude et j'y répondrai dans la mesure de mes connaissances et puis de mes disponibilités. On s'est tout dit sinon sur les approches GPS, je pense que vous savez tout maintenant. Donc la seule chose, c'est que vous voyez, sur la procédure avec des minima LNAV, si jamais vous voulez sur un avion qui est moins sophistiqué, bah peut-être que vous serez obligé de manager votre plan de descente vous-même avec un taux de descente que vous ferez... vous voyez ici, par exemple, c'est intéressant. Eux, ils ne l'ont pas fourni. Donc pour un avion qui volerait cette approche RNAV avec des minima LNAV uniquement, si jamais l'avion n'est pas suffisamment moderne pour avoir une indication de plan de verticale, eh bien dans ces cas-là, vous n'auriez pas le choix que de calculer vous-même votre taux de descente,
de manière, c'est dommage, mais bon, c'est comme ça, de le calculer vous-même de manière à respecter à chaque fois ces altitudes de passage en fonction de la distance. Bon, heureusement pour vous, vous voyez, sur ce genre d'avion, ce ne sera pas la peine, on ne va pas s'emmerder, c'est le mode approche. Et ensuite, donc là, bon, on ne va pas la voler, mais l'approche interrompue, hein, ce serait ça, tout droit. Je vous rappelle que même si on n'a pas prévu de faire une approche interrompue, c'est pas une raison pour ne pas la regarder, hein, on ne sait jamais. Il pourrait y avoir un avion qui se met sur la piste, qui s'aligne au moment où vous arrivez. Donc dans ces cas-là, il faut être prêt. Donc ce serait dans l'axe, monter vers ML408, hein, qui est effectivement ici dans l'axe, puis tourner à droite vers l'Ipsur, monter vers 4000. Donc ce que je ferai ici, je mettrai l'approche, une fois que j'ai enquillé mon approche tranquillement sur la descente, je mettrai mon altitude d'approche interrompue vers 4000, mais ce qui sera déjà le cas, et le cap, je synchroniserai bien de manière à ce qu'il me reste au 133, de manière à respecter au moins les premiers points. Bon, vous savez tout, on arrive sur ML403, on n'a plus besoin de la carte ici. On n'aura plus qu'à armer le mode approche ici pour la descente à ML405. Alors la différence, c'est que tout à l'heure on avait GPS et LNAV plus V. Ici, vous allez voir que dès qu'on va s'approcher justement, qu'on va enquiller sur le prochain point là, il va basculer en GPS LPV pour bien vous indiquer que il a capté le signal SBAS, il l'a bien, il est capable donc de voler avec justement ces fameux minima LPV. Crac, voilà, vous voyez LPV ici. Donc là, maintenant, on va synchroniser notre cap au 132, voilà. Et on est à 3 nautiques du début de la descente. Je vais enquiller mon mode approche, qui fait que là, on va avoir le GP plus V qui va apparaître, puisque ici, j'ai bien un signal qui l'a repéré. Voilà. Glide Pass et Vertical Guidance. Et qui fait qu'ici, maintenant, bah, j'ai plus qu'à attendre tranquillou que ma petite pinule, voilà, ça y est, commence à s'activer, arrive. Et il va enquiller la descente tout seul. Ici, pour bien faire, il faudrait quand même que j'ai mon plan de vol de manière à avoir l'ensemble de mes points. Toujours intéressant de savoir un peu ce que fait mon avion. Je vérifierai mon approche interrompue. Donc ici, ML408, c'est bien dans l'axe, hein, 132. Et ensuite, c'est virage par la droite sur l'Ipsu au 197 en montée vers 4000. C'est bien ce qu'on a vu. Et il y a même un hall avec une procédure d'attente de prévu. Excellent. Ici, le copy m'annoncerait one dot. Voilà, j'arrive à un point, vous voyez, du début descente. Il me dit que ça va venir justement un direct track, hein, au 132 dans 5 secondes. Donc il ne devrait pas tarder à capturer le GP Green. Tac, GP Green, c'est bon. Donc on a bien le guidage latéral, le guidage vertical. Il va récupérer bon tranquillement. Hein, pour l'instant on est un petit peu bas. Il va venir chercher. Voilà, parfait le plan. La vitesse. Il va quand même falloir qu'on décélère. Et je suis bien en descente, voilà, en GPS, LPV. C'est parfait. Alors, j'ai le temps, hein. Je vois que je suis à 11 nautiques, donc je ne vais pas non plus trop freiner. Hein. Je vais me mettre à, pour l'instant, oui, à cette vitesse-là, ce sera très bien. On va pas non plus se traîner à 80 nœuds. Et... ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est tout de suite jeter un cil, voilà où on va. On va se poser sur la tresse gauche. Toujours intéressant de savoir vers où on va pouvoir quitter la piste. Je pense que sur un Cessna comme ça, oui, un seuil décalé ici. On aura peut-être contrôlé quand même pour pouvoir dégager ici par ce taxiway-là. Allez, donc ça c'est prêt, la carte. Je vais pouvoir la réduire.
Voilà, il est revenu sur le plan de descente. Nos minima. Ah mais non, il y a ça. On les a pas mis les minima. Les minima pour la LPV sont de... LPV, on a dit 280 pieds. 280 pieds, je reviens sur ma carte ici. Je vais les mettre tout de suite. Voilà, crac. 280 pieds. Voilà, vous voyez, ça c'est une configuration que j'aime bien. Pourquoi? Parce que j'ai épuré ma fenêtre. J'ai vraiment juste ce qui m'intéresse ici. Donc avec ma distance qui me reste, 8 nautiques jusqu'à la piste. Le cap 132, c'est cohérent. J'ai bien mes modes ici à toujours monitorer. Donc mode latéral, l'autopilot qui est engagé et le mode vertical. Et ici ma vitesse que je vais évidemment que je monitore. Je suis bien ici sur mon plan avec mon cap qui est bien synchronisé. J'ai ici... ma pinule qui est bien sur mon plan de descente, c'est parfait. Mon altitude de remise de gaz au cas où je devrais initier une approche interrompue à 4000 pieds, c'est prêt aussi. Mes minima de 180 pieds, c'est prêt. Voilà, j'ai ma carte ici, je vois le déplacement de mon avion. Avec ma waypoint list ici, mes points de mon plan de vol qui sont séquencés. Voilà, là je suis dans une configuration où je me sens à l'aise. Et qui fait que même si jamais ça arrive comme tout à l'heure où je perds finalement mon écran ici pour une raison X ou Y, et bien dans ces cas-là, c'est pas bien grave, vous voyez, hop, un petit cran en bas, et je monitore, j'ai ma vitesse, j'ai mon horizon, mon altitude, je suis parfaitement à même de voler mon avion. Bon, j'arrive à 6 nautiques, tout va bien. J'ai encore quelques secondes. Hein. Est-ce que j'ai quelque chose que j'ai oublié de vous dire sur les approches Donc une DA et MDA, vous vous souvenez la différence, hein. DA c'est Decision Altitude. Donc quand j'arrive ici, vous voyez, je ne réfléchis pas, hein. C'est go no go. C'est où j'arrive ici à la DA, je vois ma piste. Je poursuis ou je ne vois pas ma piste, je remets les gaz. C'est pas à se dire, c'est trop con, à 10 pieds près, peut-être que j'aurais vu la piste. Ça, c'est niette. Hein. Donc, on arrive à la DA, c'est la Decision Altitude, on met les gaz s'il y a besoin. La MDA, vous voyez que c'est différent. La MDA, on l'a dans le cas des minima LNAV, ici, qui fait que à 440 pieds, quand on arrive là, on peut effectuer un palier à 440 pieds jusqu'à arriver sur le Mist Approach Point. Et qui fait que là, par contre, on n'a plus le choix. C'est on voit, on voit pas. En clair, on continue ou on remet les gaz. Donc, c'est la différence entre la MDA et la DA. DA, Decision Altitude. MDA, Minimum Descent Altitude. Donc, l'altitude minimum à laquelle on peut descendre, mais qui peut autoriser un petit palier jusqu'au Mist Approach Altitude. Jusqu'au Mist Approach Point, pardon. Bon, tout le reste, on en a parlé. Tout ça, c'est bon. Écoutez, il n'y a pas de problème particulier. Bon, ça fait beaucoup d'informations. Encore une fois, j'ai envie de m'excuser. Hein. Écoutez, on arrive à 1h10 encore. C'est pas possible. Hein. On aura shooté deux approches en 1h10. Mais en même temps... Je voulais vraiment insister sur ces approches AirNav, c'est franchement méconnu, et quand je regarde le trafic sur IVAO et VATSIM de temps en temps, je vous assure que ça porte à sourire, parce qu'on voit très très bien quand même que tous les gens vont vers des aéroports sur lesquels il y a de l'ILS, et quand on écoute à la radio, et ben même les contrôleurs hein, d'ailleurs donnent plus de la percée ILS que de la percée AirNav. Alors, c'est logique dans le sens, effectivement, dans la plupart du temps, c'est comme ça que ça se passe. Mais il faut quand même garder à l'esprit que les approches AirNav existent, surtout sur des petits terrains. Il ne faut pas hésiter à y aller. Ça fonctionne très 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 bien, c'est très efficace. Et avec notamment quand vous avez des météos un peu de merde. Alors j'allais dire en Bretagne, mais surtout que les Bretons ne m'en veuillent pas. Je suis breton moi aussi, mais on va pas se mentir. On a parfois des conditions un petit peu marginales qui fait que... eh bien. Vous allez sur Ouessant par exemple, justement, mais sur Ouessant vous avez de l'approche AirNav. Donc bah faut pas hésiter, vous avez de la percée NDB, mais pas de pot ici avec un avion comme ça. Vous n'avez plus justement maintenant de récepteur ADF de manière à faire des percées NDB. Donc du coup la seule manière d'aller à Ouessant avec une météo un peu marginale, c'est d'effectuer une approche AirNav. Allez, crac, un cran de volet. Un deuxième cran, ça suffira largement, deux crans de volet.
Voilà, bon là je pourrais déconnecter le PA pour le finir l'approche à la main. Je suis tellement mauvais que je vais vous donner vraiment un contre-exemple de ce qu'il faut faire. Vous voyez qu'il n'y a rien au niveau des scènes là sur Marseille. Ouais, je sais pas pourquoi, je pensais que c'était modélisé de base. A priori c'est pas le cas. Bon, il faudrait peut-être que je fasse. J'importe 2-3 scènes quand même, surtout qu'il y en a qui font vraiment un travail magnifique. Là vous voyez, on rigole, mais on est passé sous les minima. Donc la décision c'est on poursuit l'atterrissage évidemment. J'ai le bouton susp qui s'est affiché également, que je pourrais enclencher si jamais je voulais faire une approche interrompue, ce qui n'est pas le cas. Là je déconnecte mon PA et puis je vais terminer tranquillement pour me poser. Voilà, allez, on contrôle. Allez hop. On va peut-être un peu oser. Oh là là. Désolé, allez hop. On n'a rien vu. C'était juste pour contrôler pour la sortie. Ça s'est déroulé trop loin. Bon, dans la réalité, évidemment, hein, c'est exactement ce qu'il faut pas faire. Mais je contrôle pas très bien au sol. On libère la piste. Le transpondeur, on va le mettre en on. Et non plus sur Alt. Alors, on va chercher le taxiway. Comme d'habitude, j'ai oublié les landing lights, la pompe et tout ce qui va bien. Bon, je suis désolé, hein, c'était vraiment pas non plus l'objet du tuto. Voilà, bon du coup comme il n'y a rien de modélisé, je ne sais pas franchement où sont les parkings. Donc eh bien on s'arrêtera où on aura envie. Allez, je vais me mettre sur la gauche. Voilà. Allez, crac. On va considérer qu'on est bien. Voilà. Allez, on s'arrête. Le frein de parc. C'est appliqué. Plus qu'à couper tout ça. Alors, pour couper, c'est comme d'habitude. Hein, on rentre les volets. Ensuite, ici, je coupe. J'ai quitté la piste. Voilà. Tac. Landing light, c'est taxi, la fuel pump, ce n'est plus la peine. Et on reste le beacon, le nav et le strobe. Le strobe, j'ai quitté la piste, c'est plus la peine non plus. Ensuite, je n'ai plus qu'à. Tout est rentré, sinon le frein de parc est appliqué. C'est parfait. Je peux couper mon avionique ici. Mon beacon, mon feu de nav. Mon alternateur, je le coupe. La mixture sur plein pauvre. Les magnétos, c'est éteint. Et il me reste à couper ma batterie. Voilà. Eh bien écoutez, le miracle s'est encore produit. On s'est posé sans trop de casse. Donc voilà ce que je voulais vous expliquer sur les approches GPS. J'espère que c'est plus clair pour vous, pour les approches AirNav. Si vous avez des questions, écoutez, n'hésitez pas, vous les posez donc sous la vidéo. C'est plus facile pour moi pour y répondre. Et bien écoutez, j'espère que maintenant je vous ai démontré en tout cas que les approches GPS étaient faciles à voler, que c'est pas plus compliqué qu'un ILS, et donc que ce soit avec des minima LNAV, des minima LNAV-INAV ou des minima LPV, et bien tout ça, ça peut se voler sur un avion, encore une fois avec une avionique un peu évoluée, mais typiquement avec un Garmin 1000 ou même avec un GNS 530, ça se vole très bien, uniquement en armant le mode approche. Au pire, si jamais vous avez un avion qui est un peu moins évolué, eh bien quand vous volez avec des minima LNAV, eh bien dans ces cas-là, vous managez vous-même votre plan de descente en fonction de votre vitesse, vous adaptez votre taux de descente, votre vertical speed, et puis vous faites des contrôles de plan. La différence, je vous la rappelle, entre LPV et LNAV-INAV, puisque les deux vous donnent à chaque fois un guidage latéral et un guidage vertical, c'est que le LPV,
s'appuie sur des GPS géostationnaires, donc pour vous donner un signal S-bass qui permet de corriger, d'affiner le signal GPS et d'avoir une meilleure précision et du coup de pouvoir descendre avec des minima un peu plus bas. Le LNAV-INAV, eh bien, c'est de latéral et vertical, mais sans bénéficier justement de ce signal S-bass et donc avec des minima qui seront un petit peu plus élevés. Voilà, j'espère que ça a répondu à, ou en tout cas que ça a démystifié un petit peu ce, tout ce qui concernait les approches AirNav. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas, postez-les sous la vidéo, j'y répondrai dans la mesure du possible. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.